tout le monde, cette semaine, c'est Léa et je vais vous apprendre à customiser un bonnet. Ouais. Tellement d'enthousiasme. Oh non, là là, j'ai cassé mon bracelet, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Mais attends, est-ce que j'aurais pas un bonnet qui traîne? Mais oui, mais c'est bien sûr. Bon, du coup, il vous faut un bracelet, un bonnet, un fil qui matche le bonnet, une aiguille, et c'est parti. Pour commencer, vous prenez votre pince et vous enlevez le fermoir. Placez votre bracelet sur le bonnet pour savoir à peu près où vous le voulez. Hein. On fait une main droite, une main gauche. Tu mets pas tout, hein. Ah, mais c'est moi qui vais monter. Non, du coup, vous cousez sur le rabat et pas jusqu'à l'intérieur du bonnet parce que c'est plus joli. Vous enfilez le fil dans l'aiguille et vous faites un nœud. Et ensuite, vous allez coudre les extrémités du bracelet. Et ensuite, vous faites 4 points au milieu pour bien tenir le bracelet, quoi. Pour pas qu'il s'affaisse une fois que vous le mettez sur votre tête. Et oui, alors, haha, ça, c'est un DIY qu'on a trouvé sur Pinterest. Et sur Pinterest, ce qu'on vous dit pas, c'est que si vous faites comme ça, et ben vous allez avoir un petit problème. C'est-à-dire que, et ben en fait, ça va tirer sur le bonnet, ça va faire une mauvaise finition sur les côtés, c'est pas très joli. En plus, à long terme, ça risque de vous trouver le bonnet, quoi, c'est pas le but. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décousu, on a remis le bonnet sur la tête d'Antoine, on a déterminé les deux extrémités pour pas qu'il y ait de problème, et ensuite, on a recousu. Normalement, donc les deux extrémités et au milieu. Vous n'êtes pas obligé de renforcer ça en cousant de partout, vous faites quelques points et normalement ça devrait bien tenir. Alors c'est sûr que là, du coup, quand vous l'avez à plat, c'est pas très beau, mais une fois que vous l'avez sur votre tête, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce swag? Regardez-moi cette magnificence! Voilà, c'est merveilleux. Votre bonnet est customisé, votre bracelet cassé vous sert enfin à quelque chose. Vous n'avez pas de regrets, la tâche est accomplie. Du coup, si ce tuto il vous a plu, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, ça fait remonter dans le référencement et du coup, ça nous donne des abonnés en plus. Merci. Merci à vous. Mais la vendue, quoi. Mais quoi? Merci à vous. On vous fait des gros bisous. Suivez-nous sur Instagram et sur Facebook. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et surtout cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Oh, c'était fou. Allez, bisous.